Salut les amis, salut tout le monde et une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, Afrique EV. Aujourd'hui, dans cette étape, une nouvelle partie d'information, notamment du côté du Niger, où nous avons l'Union européenne qui met fin à sa mission militaire au Niger. Et bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Au Niger, le Conseil européen a déclaré le 27 mai 2024 avoir pris la décision de ne pas prolonger sa mission abrégée EUMPM dans ce pays au-delà du 30 juin 2024. Établi en 2022 par la demande des autorités précédentes, ce contingent compte entre 50 et 100 soldats chargés d'apporter une aide en matière de logistique et d'infrastructure. Fin 2023, les nouvelles autorités du Niger ont dénoncé certains accords militaires avec l'Union européenne, remettant notamment en cause la mission civile abrégée EUICAP Sahel, établie par Bruxelles dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense commune. Niamey a également retiré sa confiance à une autre mission de partenariat militaire avec l'Europe, l'EUMP Niger, créée fin 2022. Celle-ci était censée renforcer la capacité des forces armées nigériennes à contenir la menace terroriste. Et bien les amis, telle est la situation présente du côté du Niger. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite note informative, car moi je trouve que les forces de défense de l'armée nigérienne sont en train de faire de leur mieux pour remédier à cette situation qui endeuille gravement le Niger depuis 2015. Et bien les amis, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas de votre petit écran pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une nouvelle partie d'information. À très bientôt les amis, bye bye.